Bienvenue à un tutoriel Foxitech sur comment scinder l'écran avec deux vidéos dans iMovie. Si vous trouvez cette vidéo utile, merci de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'aimer cette vidéo. Dans l'éditeur de projet d'iMovie, commencez par avoir la première vidéo que vous voulez diviser en deux dans la chronologie. Dès maintenant, appuyez sur le bouton plus, sélectionnez la deuxième vidéo, puis appuyez sur la vidéo que vous voulez importer. Appuyez sur le bouton des trois lignes dans la fenêtre contextuelle, puis sélectionnez écran scindé. Cela placera la vidéo au-dessus de l'autre vidéo dans la chronologie et créera l'effet d'écran partagé. Les deux vidéos seront lues côte à côte. Sélectionnez une vidéo, puis cliquez sur cette icône de basculement pour modifier la position de l'écran partagé à la verticale ou à l'horizontale. Vous pouvez choisir quelle vidéo s'affiche en premier, comme ceci. Appuyez sur la loupe, puis vous pouvez faire un zoom avant ou un zoom arrière sur la vidéo. Cette icône de ligne ajoutera ou supprimera une ligne de séparation blanche entre les deux vidéos. Dès maintenant, vous savez comment utiliser la fonction d'écran scindé d'iMovie. Et cela met un terme à ce tutoriel. Merci d'aimer la vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner à Foxitech pour plus de conseils et astuces iMovie.